est bien belle aujourd'hui. Oh, wow. Oh. Hey, attention! Je crois que tu rêves un peu trop, même si la créature de rêve te regarde. Cela dit, c'est en tournant la tête vers moi. Oui, oui, c'est ça, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de me voir. Il faudrait vous habituer à mes beaux yeux. Aucune fille n'y résiste. C'est la nature, quoi. Oh, pitié, on n'est pas là pour s'amuser, nous. La preuve, il y a de la graisse sur la route. Et là où il y a de la graisse, ça veut dire que le gros plein d'huile n'est pas très loin. Parfait. À fond les mains. Quelle scène idyllique! Et c'est avec un fond de tristesse que je vais devoir détruire complètement cette petite merveille. C'est ça, détruisez-toi! Ça m'étonnerait! Hey. Non, on préfère que tout reste intact. On recommence à vouloir faire des vagues? Vous vous trompez! Vous arrivez juste à temps pour me permettre d'essayer un nouveau générateur tsunami. Ah, bravo! Oui, c'est ce que j'allais dire! C'est pas très original! Je ne peux pas disparaître. Il y a trop de créatures de rêve qui ne me connaissent pas. Et il faudrait peut-être sauver les pêcheurs. Mais il n'y a qu'à demander. Et voilà le travail. Pas mal comme manœuvre. Et maintenant, on corrige le savant fou. Ça sera pas pour cette fois, mon grand. Il a filé. Oh, il ne faut pas être trop déçu. On a quand même quelques belles prises. Eh oui! Qu'est-ce que vous utilisez comme appât? Je ne sais pas, un fromage quelconque. Oh, oh du fromage! On déteste ce fromage! Oh, à qui donner maintenant? Wouhou! À fond les manettes! Vous n'avez jamais apprécié la pêche, mais je me rappelle, j'ai passé de grands moments sur Mars. J'allais pêcher avec un neveu. Ça oui, voyez-moi sur parole, c'était la grande époque. Windfire n'est plus un gamin aujourd'hui, il a dû sûrement changer de passe-temps. Quand on a été pêcheur, on le reste toute sa vie. J'espère simplement qu'il a été assez malin pour éviter de se créer des problèmes. Centre de commandement ici, Windfire. La présence illégale de Plutarchiens sur Mars est confirmée. Je m'en occupe. Pourquoi tu joues le rongeur? Ça vous apprendra à attaquer les Martiens. N'y revenez plus. Parfait. J'en ai suffisamment vu. À vous de jouer. Ce n'est pas la peine de me faire prendre un bain.
Je vais vous apprendre à vivre. Ah, je savais bien que ce piège allait appâter un des rongeurs qui croupissait dans le coin. Et on ne peut pas dire qu'il m'empêchera de dormir. Qu'est-ce que je vous avais dit? Un rongeur martien? Eh bien, le spécimen que vous recherchez, je suis sûr que vous ne serez pas déçu. C'est une occasion exceptionnelle. Je ne sais pas trop. On croyait que les meilleurs, c'étaient les trois rongeurs. Malheureusement, ces trois spécimens ne sont pas disponibles en ce moment. Effectivement, pas pour le moment, mais nous vous les offrirons à la seconde où ils auront été capturés. Mais je ne comprends pas grand-chose. Mais ne touchez pas à mon oncle Modo. Oncle Modo, hein? Mais c'est parfait! Il est heureux que ce petit rongeur soit de la graine de champion. Cette chasse aux rongeurs va être passionnante. Ça, je vous le garantis. Cette chasse? Bon, d'accord. Nous acceptons votre prix. Produisez-le dans le désert des ombres et donnez-lui des unités d'avance. Ensuite, nous le chasserons. Il nous servira d'entraînement pour les trois autres beaucoup plus dangereux. Excusez-moi de vous démolir le moral, mais votre proie va vous donner du fil à retordre. Il faut que je prévienne oncle Modo. Très chers amis, je vous présente de très sincères excuses. Ce n'est pas la peine, c'est inutile. Plus la proie est coriace, et plus on apprécie. Et maintenant, mes très chers amis, que la chasse commence. Ah oui, j'ai toujours ce talent qui m'a rendu célèbre sur Mars. Arrête, je ne vois pas pourquoi tu te compliques la vie. Personnellement, si je vais pêcher un jour, moi j'utiliserai des grenades. C'est gentil de me prévenir, je crois que je préfère encore y aller avec Wimfire. Oh, après tout, comme disait ma brave petite mère... Mayday, Oh non, c'est parce qu'elle disait... Quoi? C'est Wimfire? Wimfire, j'appelle les motards de l'espace. Ici, c'est ton oncle Modo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en approche terrestre sur un vaisseau plutarchien. Je viens vous prévenir, vous êtes en danger. Wimfire, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Je suis touché. Regardez, un martien enflammé à 12 heures. Je ne peux plus contrôler le vaisseau. Hey, je vais m'écraser. Il se dirige droit sur nous. Et Wimfire est à bord. Entre nous les sauveteurs, à nous de jouer. Dépêchons. À fond, les années. Oh, attends, ça peut être dangereux pour Charlie. Trop tard. Attends une minute. Et on va avoir besoin de deux missiles. Numéro 7. Je ne me souviens pas de cette manœuvre. Mais c'est normal, je viens de la monter il y a une demi-seconde. Je savais bien qu'il y aurait des jours comme celui-ci. Je compte sur toi. On dirait qu'il y a un aimant qui attire le vaisseau. On pourrait peut-être y peindre une cible. Quelqu'un est prêt à le soigner? Oh, Wimfire. Attention. Hein? Attendez. Ne tirez pas. La proie est à portée. On n'a pas obtenu de permis de chasse pour lui. Et nous devons absolument chasser dans les règles. Regardez. Les motards de l'espace, nous les avons enfin retrouvés. Les proies les plus prestigieuses de l'univers. Ça pourrait être la plus grande chasse de toute l'histoire. Oui, mais on a besoin d'un permis de chasse du plutarchien local. Un certain Lawrence Limburger. Vous voyez ce que je vois? Ils n'ont pas trop assisté. Je ne crois pas qu'ils soient partis. Ce sont des chasseurs de trophées. Ils n'abandonnent jamais, ils préparent quelque chose. Je vous parie qu'ils reviendront. Autant se préparer. Je ne vais quand même pas mettre un costume du dimanche.
Quand je me sens un peu déprimé, cet endroit me redonne toujours du baume au cœur. C'est fantastique. Ça me rappelle mes triomphes. Mais quand je vois ceci, mon moral vacille à nouveau. La Terre, cette maudite planète, n'a été qu'une suite de contretemps frustrants, très désobligeants pour moi. Et c'est terminé, je le jure. Carbuncle, ici tout de suite. Vous avez appelé votre protubérance? Mais oui, absolument. Dites-moi, mon cher docteur, vous avez essayé le générateur tsunami? Oui, votre boudinerie. Et ça a marché? Oh, à la perfection, votre rondeur laiteuse. Oh, bien que les mossards de l'espace aient échappé à leur destruction. Bizarre, mais je m'attendais à apprendre cette triste vérité. Et on raconte qu'ils ont aussi réussi à sauver je ne sais quel pêcheur. Mais cela dit, pourquoi n'êtes-vous pas passé à la phase 2? La destruction totale de la Côte d'Or. La partie la plus riche de la ville, parfaite pour une destruction et une limburgerisation totale et complète. Doucement, votre rondeur grasseillante, cela demande beaucoup d'énergie. Et pour créer un raz-de-marée suffisamment puissant, il faudrait que je me branche sur les circuits de la ville. D'accord. Et bien sûr, ces maudits rongeurs prendront à malin plaisir à intervenir et à faire échouer nos projets. Cette désagréable idée m'a traversé l'esprit, votre bouffissure. Il faudrait trouver un moyen de les occuper pour qu'ils me laissent respirer. Miam, miam. Je serai prêt à verser une grosse somme, une véritable fortune, à celui qui pourrait me... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment êtes-vous entré ici? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Mais bien sûr, monsieur Limburger. C'est vous le grand patron? Oui, en effet, c'est tout à fait vrai. Mais... qui êtes-vous? Nous sommes des chasseurs, monsieur Limburger. On aimerait vous acheter le droit de chasse sur votre territoire. Chasser sur mon territoire? Mais mes chers amis, dites-moi donc ce que vous envisagez de chasser. Les têtes des motards de l'espace, les trophées les plus recherchés de l'univers. Et nous payons cher pour avoir ce privilège. C'est vrai, je pense qu'avec un peu de bon sens, on devrait parvenir à un arrangement éminemment satisfaisant. Ah, oh, ça c'est drôlement bon, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on appelle une saucisse moutarde. Eh oui, mon bonhomme, le plat des dieux. C'est ce qu'il y a de mieux sur la planète. Et quand tu fais passer ça avec une bonne limonade bien fraîche, c'est le rêve. Les rongeurs sont là. Parfait, parfait. On va s'en occuper tout de suite. On aurait du mal à s'en passer aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Dites-moi les amis, sans vouloir vous déranger, j'ai l'impression qu'on va s'éclater. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Pas de panique, je suis là. Oh oh. Hé, on a de la chance. C'est une grenade fumigène. Oh, mais ça empeste encore plus que les chaussettes de Limburger. Moi, j'ai l'air malin d'avoir voulu jouer les héros. C'est un piège. Les chasseurs veulent nous pousser à fuir. Oui, tu as raison. Mets-toi à l'abri avec Charlie. Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire ce qu'on sait faire le mieux. On va s'éclater. Attention, les voilà. Au moins cette fois, ils ont utilisé la porte. Enfin, presque. Saleté de rongeurs, on va bien vous faire votre fête. Vous êtes prêts, dites? Vous êtes prêts? Non. Oh non. Oh. Allez, raconte-nous vite. Où sont les chasseurs? Je sais pas, je le jure. Ils étaient derrière moi il y a une seconde. Hey, ils
ne faut pas nous attaquer, sinon ça risque de mal finir. Mais où est-ce qu'il est passé? Vincent, derrière toi! Ah, personne ne peut nous attaquer comme ça! Ça, il n'en est pas question! Qu'est-ce que c'est? Mais... viens te battre si tu l'oses! Oh! Mais on peut pas se battre contre eux si on les a pas devant nous! Alors il va falloir les avoir derrière nous! On se sauve? Ah non, ça je suis pas d'accord! Tu sais très bien que mon côté macho ne le supporte pas! Au moins, on saura où ils sont! Alors on est d'accord? En route! C'est un truc, ils veulent que les chasseurs les poursuivent. C'est l'occasion ou jamais de chercher du secours. Oh, Wimfire! Ils sont toujours derrière nous? Difficile à dire. Ils sont plus insaisissables qu'une savonnette. Bon, à propos d'insaisissables, regardez, vous avez vu le petit espion? Oh, vite! On les a retrouvés! C'est une procédure standard! M'aider! Attention! Vas-y, Charlie! Ils ont Wimfire! Les chasseurs l'ont eu! Ils l'ont emmené dans la tour! Oh, c'est pas vrai! Charlie, tu n'as pas de problème de ton côté? Non, ça va. Ils ne m'ont pas emmené parce qu'ils ont dit que je n'avais aucune valeur. Tu en as pour moi, ma belle Charlie! Elle a raison. Il faut absolument récupérer Wimfire. Bon, attention. Il va falloir secouer le mérou avarié. La naïveté de certains m'étonnera tout. Vous êtes sûr que ça va marcher? Croyez-nous, nos plans marchent toujours. Nous avons des centaines de trophées. Je l'ai dit, avec eux, on ne sait jamais. Et maintenant, il ne reste plus que ceci. Allô? Allô? Il est temps d'activer le générateur tsunami. Et de pulvériser toute la côte, n'est-ce pas, mon cher docteur? Oui, bien sûr, votre répugnante grosseur. Peut-être remarquez qu'ils ne sont pas les seuls à arriver par ici. Pauvre demeuré! Regardez! Les chasseurs ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est vraiment décevant. Wimfire va les conduire au tribunal sur Mars dans leur propre vaisseau. Oh, mais à propos, où est Wimfire? Il est allé pêcher avec Modo. À cette heure de la nuit? Oui, Modo a dit qu'il connaissait un endroit idéal, le lac avarié. Ah, ça rappelle le bon vieux temps, hein? Ouais, ça c'est vrai, oncle Modo.
Oh, mes plantes échouées, ma tour est détruite et je suis littéralement mort de faim. Où est ma réserve de petits verres? Ah, en voilà un qui m'a l'air bien juteux. Oh! Oh, tonton, je crois que j'en ai un. Il a l'air énorme.